Bonsoir à toutes et à tous, je suis Tim de Space News. Je rappelle que toutes les informations que je présente sont strictement et exclusivement de sources extraterrestres. Elles me sont transmises noir sur blanc, en live, à l'écrit et en audio par mon principal contact extraterrestre Zen depuis le début de l'année 2016. C'est-à-dire 8 ans. Je les ai enregistrés et ce que je partage reflète au détail près ce qu'il m'a transmis. Vous pouvez également entendre la voix de Zen en train de me parler dans ma vidéo 115, publiée sur YouTube en 2023, dont vous voyez ici l'image principale. La présentation d'aujourd'hui est un extrait de nombreuses conversations que j'ai eues avec Zen alors que nous avions entrepris tous les deux de cataloguer de manière systématique et minutieuse les différentes races qui composent la Fédération galactique. Ce travail a abouti à la création d'un tableur comportant environ 2500 entrées. La Fédération galactique existe depuis des milliers d'années et elle a toujours été composée de différentes lignées extraterrestres qui se sont alliées pour combattre les lignées reptiliennes qui colonisaient une partie de ce quadrant de la galaxie en envahissant la constellation de la Lyre. La Fédération galactique existait déjà au temps de l'attaque plasmique sur Mars et Tiamat. Mais très affaiblie et ayant perdu de nombreux effectifs, elle dut se retirer. Pour protéger la Terre en son absence, elle a enfermé la planète dans une bulle électromagnétique, emprisonnant à la fois les reptiliens pour qu'ils ne continuent pas d'étendre leur colonisation, mais de ce fait également les terriens. Cette bulle électromagnétique s'amenuise, mais existe encore de nos jours. Pour compléter cette conférence, vous pouvez découvrir ou revoir les explications dans mes vidéos sur la Lune, numéro 2 de 2021 et numéro 142 et 144 de 2024. Pour résumer cette situation, la Terre est artificiellement isolée par une série d'anneaux de rayonnement de haute intensité, appelés sur Terre les ceintures de Van Allen. Ces ceintures ne sont efficaces qu'à partir de l'état vibratoire de la troisième densité, c'est-à-dire en 783 Hz. Au-delà de ces ceintures, elles n'existent plus et le cosmos, y compris la Lune, sont en 5D, c'est-à-dire en 50 Hz. Entre les deux, la 4D est une gamme de fréquences de transition. Je rappelle, comme je l'ai dit maintes fois dans d'autres vidéos et d'autres présentations, qu'une densité ou une dimension, comme certains l'appellent, n'est pas quelque chose de réellement physique. C'est plus un état d'esprit et un angle de perception d'individus qui sont synchronisés entre eux. Cette barrière n'existe que du point de vue d'un terrien ayant une mentalité standard, mais on peut les dépasser en développant notre spiritualité et en élargissant notre manière de percevoir le monde et la réalité. Dans leur relation avec différentes planètes, dont la Terre, les extraterrestres utilisent une structure qui fut appelée tour à tour le Grand Conseil Andromédien, puis par la suite l'UFOP, la Fédération Unie des Planètes, qui s'est dissoute en 2018-2019 pour recomposer l'Alliance des Sphères Bleues Andromédiennes, mais qui comprenait d'autres lignées également, et devenir ce qu'elle est de nos jours, la Fédération galactique des mondes. La Fédération galactique opère uniquement dans ce quadrant de la galaxie où se situe notre système solaire qu'ils appellent
Sol 13. Elle ne représente que quelques milliers de civilisations, et cela représente déjà une difficulté en soi de les gérer toutes. De manière générale, il y a un nombre incalculable d'alliances et de conseils, car chaque zone spatiale, chaque système solaire et chaque planète a ses propres alliances, ses propres hauts conseils et ses propres conseils planétaires ou communautaires. La langue utilisée au sein de la Fédération est la langue andromédienne, qui ressemble au népalais. L'andromédien de la Fédération est comme l'anglais sur Terre utilisé comme une langue inter-espèce, comme une langue internationale en quelque sorte, qui permet à de nombreux citoyens de communiquer à travers leur monde et avec la Terre. Lorsque mes propres documents étaient traduits par Zen en réponse à des questions posées par le Haut Conseil d'Andromède et qui étaient lus en session plénière regroupant 12 grandes lignées extraterrestres rediffusées à des millions d'extraterrestres, les traductions étaient faites en andromédien et tous le comprenaient. Le rôle de la Fédération est multiple et complexe, et c'est la raison pour laquelle je vais la présenter ainsi que ses structures internes, son histoire, son organisation, son rôle, sa localisation dans l'espace et les 12 lignées qui la composent tous les dimanches jusqu'au mois de septembre. Le rôle premier de la Fédération est d'aider les terriens dans leur évolution spirituelle, mais aussi de réguler les relations et les accords entre diverses lignées extraterrestres et la Terre. Elle porte à la fois une triple casquette, un rôle de développement spirituel et de maturation de la conscience humaine, et un rôle de protection ainsi qu'un rôle de contrôle.